C'est ça, pour moi, la philosophie. Pouvoir, ce pouvoir de sortir du milieu dans lequel on vit, c'est ce qui définit le philosophe en puissance. Et ce que je soutiens, c'est que nous sommes tous des philosophes en puissance. Nous avons tous la capacité, de temps en temps, de sortir du milieu dans lequel nous vivons et de passer à l'acte philosophique, c'est-à-dire de nous mettre à penser le milieu dans lequel nous vivons en sortant, en nous en mettant à distance. J'avais parlé du poisson volant, vous en souvenez, en me référant l'an passé à Aristote, qui cite un poète grec, Simonide. Simonide qui dit: Dieu seul peut jouir du privilège d'être toujours en acte, c'est-à-dire d'être toujours lui-même. Nous les mortels, eh bien, nous ne sommes nous-mêmes que de temps en temps. La plupart du temps, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous vivons au-dessous de nous-mêmes. La plupart du temps, nous sommes en régression par rapport à ce que nous pouvons. Ce que nous pouvons, c'est sortir de l'eau. C'est-à-dire critiquer notre milieu. Mais la plupart du temps, nous y nageons avec une complaisance parfaite. Nous nous y vautrons, peut-être plus comme des porcs d'ailleurs que comme des poissons. Pourquoi parler de poissons et pas de cochons? Eh bien parce que, d'abord parce qu'il existe des poissons volants, je n'ai pas vu de cochons volants, même si je sais que dans les histoires d'Augustin, mon fils, il y a des histoires de cochons volants, j'en ai déjà vu. Mais les poissons volants, il y en a vraiment. Et parce que Aristote dit que le poisson, la seule chose qu'il ne verra jamais, c'est... Pardon? C'est l'eau, autrement dit, oui, c'est son milieu. Le poisson ne verra jamais l'eau. Et nous, comme les poissons, nous vivons dans un élément qui n'est pas l'eau, qui est quoi? Qui est un milieu pharmacologique. La plupart du temps, nous sommes dedans et nous ne nous en apercevons pas. Et puis de temps en temps, nous en apercevons parce que, par exemple, dit Heidegger, ça arrive souvent à Fred, on se tape sur le doigt avec son marteau. Puis d'un seul coup, on voit le marteau. Parce que là, on voit que avant ça, on faisait corps avec le marteau, avec l'outil. Et puis d'un seul coup, on ne fait plus corps et on s'aperçoit que le marteau peut être dangereux. C'est vrai de toutes les techniques. Alors, c'est donc Aristote qui m'inspire lorsque je dis, c'est lui, lorsque je dis que nous vivons dans un milieu que lui appelle noétique, c'est-à-dire l'esprit. Et que ce milieu, il est noétique dans la mesure où précisément nous sommes capables d'en sortir. Mais la plupart du temps, nous y restons. Et quand nous en sortons, nous ne pouvons pas y rester longtemps en dehors de ce milieu. Comme un poisson volant est obligé de retourner dans l'eau. Vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de tout ça? On en a déjà parlé l'année dernière. Ben oui, mais si j'y reviens, c'est pour une raison très précise. C'est parce que dans le mythe de la caverne, Platon va poser en principe qu'on peut sortir de l'eau pour toujours. Il va plus parler de l'eau, en fait, il va parler de l'ombre de la caverne. Il va poser qu'il est possible de devenir philosophe tout le temps, pas par intermittence, qu'il est possible d'échapper à la régression, c'est-à-dire au pharmacone. Cette question de l'impossibilité d'échapper à la régression, qui est la position que je soutiens, dont je soutiens que c'est également celle d'Aristote, que voici, c'est également celle d'Augustin. Je ne parle pas de mon fils, je parle de ce saint, qui est un maghrébin, il ne faut jamais l'oublier. Un des fondateurs de la philosophie européenne est un maghrébin. Sa mère s'appelle Monique, mais elle est berbère. Ce maghrébin, qui s'est converti au christianisme, parle de la régression, mais il appelle ça la tentation. Je le signale parce qu'il en parle dans Les Confessions, il en parle dans La Cité de Dieu, etc. Et il dit qu'il faut distinguer trois types de désirs. Le désir de la concupiscence, c'est-à-dire le désir de la consommation sexuelle. Le désir de la connaissance, il appelle ça la libido sienne. Et le désir, j'arrive plus à retrouver son terme exact. Oui? Voilà, c'est ça. Voilà, Sun Tsien-Di qui est, disons, le désir, oui, le plaisir, voilà, c'est ça, le plaisir. Alors, derrière la question de l'allégorie de la caverne,
il y a tout un discours sur, non seulement sur le désir, sur lequel nous allons revenir en détail, nous avons déjà beaucoup parlé l'an passé à propos d'Eros, mais sur la tentation et la régression. Par rapport à quoi Platon pose qu'on doit pouvoir soigner une bonne fois pour toutes la cité pour éliminer les tentations, supprimer les régressions. Et évidemment, moi je soutiens que cette prétention à l'élaboration d'une cité parfaite ou d'une cité idéale, eh bien c'est celle qui conduit à ce qu'on a appelé le totalitarisme. Je vais mettre quelque chose pour que je puisse mettre ça. Et puis qu'il y a un petit courant d'air. Qu'est-ce que va poser comme, en principe, comme possibilité Platon dans l'allégorie de la caverne ? C'est que le philosophe peut sortir de la caverne et qu'il peut vivre en dehors de la caverne, c'est-à-dire en pleine lumière. Il va poser, autrement dit, qu'il est possible de sortir du milieu d'origine, appelons-le l'eau, appelons-le l'ombre, appelons-le comme on veut, peu importe, pour passer dans un autre milieu, qui est un milieu sans ombre. Comme s'il était possible d'avoir de la lumière sans ombre. Pas possible, n'est-ce pas? En photographie, on apprend ça essentiellement. La lumière, c'est l'ombre, en fait. C'est un rapport à l'ombre. C'est ça qui fait le changement de chance, le changement de sens du mot aletheia, vérité. Nous verrons avec Heidegger que aletheia, ça veut dire au départ, aletheia, ça veut dire sortie du latent. Si on écrit aletheia, Heidegger, on peut voir que le A est un privatif. L'étheia, c'est ce qui vient de l'été, qui veut dire d'ailleurs oubli ou latence. Et donc, on retrouve dans ce mot grec, à l'étheia, le fait que la réalité, c'est la réminiscence de ce qui était oublié, de ce qui était latent et qui revient à la mémoire. Mais à partir du moment où Platon va faire de la vérité à l'étheia, une vérité absolument pure, eh bien, il va éliminer cette dimension de la vérité qui est qu'elle est liée à l'oubli. L'été. L'été, c'est le fleuve de l'oubli dans les enfers grecs. Il va éliminer l'ombre de la lumière, c'est-à-dire qu'il va faire de la lumière quelque chose d'aveuglant, et il va s'y aveugler. Derrière tout cela, il y a quelque chose de fondamental qui est la question de la définition de ce que c'est qu'une idée. Si la vérité, c'est ce qui est capable de considérer ce qu'il y a d'idéal dans une notion, et si c'est ce qui est capable d'en dégager l'idéalité de cette notion, par exemple de la notion de justice, la vouloir faire exister cette idée, c'est-à-dire la transformer en réalité et non pas en idéalité, c'est d'emblée la détruire. Je crois que c'est ce que nous enseigne toute expérience. Si on veut faire exister la justice d'une manière absolument totale et l'imposer dans son effectivité, eh bien on transforme le problème de justice en ce qu'il y a de plus injuste. C'est ce que je présentais tout à l'heure à propos du totalitarisme. C'est ça le totalitarisme, précisément. Et ça signifie que on ne peut pas faire la consistance. L'idée de la justice, c'est ce qui fait que, même dans un monde qui est foncièrement injuste, et tout le monde est injuste, on peut préserver et entretenir, comme le feu d'ailleurs, l'idée de la justice, et faire que on se conforme le plus possible avec cette idée de la justice, même si on n'est jamais véritablement juste. Derrière cela, il y a la question de l'idéalisation.
Si l'on pose que la justice est un processus d'idéalisation qui fait que l'on peut, se comporter le plus justement possible sans être jamais parfaitement juste, alors on définit la vérité dans un rapport à l'idéalisation, au sens où je disais l'an passé aussi, et je vais y revenir, que l'idéalisation c'est également ce qui se produit dans le désir, lorsqu'on idéalise l'être que l'on aime. On porte l'être que l'on aime en quelque sorte au-dessus de lui-même, on le projette au-dessus de lui-même, et on se tire avec lui au-dessus de soi-même. Cette question de l'idéalisation, dont nous parlerons beaucoup, qui est un enjeu fondamental de la République de Platon et de l'allégorie, de la caverne, et là où ça dérape, c'est ce dont Emmanuel Kant parle également dans la critique de la raison pure, sous le titre de ce qu'il appelle les idées de la raison. Lorsqu'il dit, ici, l'idée comme concept d'un maximum ne peut jamais être donnée in concreto de manière adéquate, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'idée de quelque chose, c'est quelque chose qui dépasse la chose dans son existence, et cette idée ne correspond jamais dans la réalité à la chose dont elle est, dont elle rend possible l'analyse, par exemple, ou la pensée. Il n'y a pas d'adéquation entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appellera le caractère régulateur de l'idée chez Kant. À partir du moment où on voudra faire exister une idée, c'est-à-dire la réaliser dans la réalité concrète, eh bien, en fait, on en épuisera la force idéalisante, c'est-à-dire la possibilité qu'elle a de produire du désir de se réaliser. Et à ce moment-là, on détruira l'idée elle-même. Cela ayant été rappelé, parce que ici je fais, si j'ose dire, des révisions de ce qu'on a déjà vu l'an passé, je crois que pour pouvoir se comporter en poisson volant, il faut d'abord être capable de se comporter en saumon. Pour revenir à nos affaires, si être capable de philosopher, ce que nous sommes tous capables de faire, nous sommes tous philosophes en puissance, c'est-à-dire que nous sommes tous capables de sortir de l'eau, de sortir de notre milieu. Nous avons un esprit critique. Nous ne sommes pas des purs moutons. Pour pouvoir effectivement franchir faire ce bond hors de l'eau, eh bien, il faut d'abord être capable de remonter aux sources, c'est-à-dire de se comporter en saumon. Et si j'ose dire, il faut être capable de passer de l'eau saumâtre à l'eau douce, parce que c'est ça que font les saumons. Les saumons ne naissent que dans l'eau douce. Ils ne vivent que dans l'eau salée. Et pour se reproduire, ils retournent là où ils sont nés. Et ils font de longs voyages. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est incroyable ce que font les saumons. Vous verrez. Si je vous parle du poisson volant et du saumon, c'est parce que nous allons lire Phèdre. Et dans Phèdre, nous allons lire ce que j'appellerais, moi, l'allégorie de l'âme ailée. Ce qu'on appelle souvent le mythe de l'âme ailée, mais ce n'est pas un mythe pour moi, c'est une allégorie. Dans Phèdre, Platon raconte que l'âme a des ailes et qu'elle vole. Et je trouve que cette âme qui vole ressemble à un poisson volant. Dans l'allégorie de la caverne, là c'est dans la République, Platon posera en principe que la vraie vie n'est pas dans l'eau, mais dans l'air. Et que le poisson doit abandonner ses nageoires, ou plutôt que la vie n'est pas dans l'ombre, mais dans la lumière, je disais tout à l'heure, et que le mortel doit abandonner non pas ses nageoires pour des ailes, mais son tuba, ses palmes, son masque, et tous ses artefacts, si vous préférez. Parce que finalement, cet homme qui vit dans l'ombre, il est capable d'aller sous l'eau avec un scaphandrier, avec un scaphandre, il est capable d'aller dans l'air avec un avion, etc. Et il faut qu'il se transforme, en fait, pour Platon, cet être-là, il faut qu'il quitte ce milieu technique et qu'il se transforme en ange. Vous voyez, les anges, en voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui se joue dans Platon, toutes ces images dont je vous parle, et en particulier celle de l'âme ailée, vont revenir dans l'histoire de l'Occident. Les anges aussi, ce sont des espèces d'âmes ailées. Ce sont des âmes pures qui vivent dans le ciel, qui accompagnent ici, ben, qui ? Marie et son enfant Jésus. C'est un tableau de Raphaël.
L'âme ailée qui apparaît chez Platon, elle va avoir une destinée très importante. Et elle existe pas simplement dans l'Occident chrétien, mais aussi dans l'Occident islamique. Parce que chez les musulmans aussi, il y a des anges. Les anges sont très importants. En voilà un qui est très important. Les anges, des figures comparables en apparaissent déjà dans le banquet. Dans le banquet, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des âmes ailées exactement, ce sont des démons. Vous vous souvenez qu'il est question de démons. Et ces démons, nous dit le banquet, ils sont des intercesseurs entre les mortels et les immortels. Ils circulent. Qui est l'ange Gabriel, celui qui vient annoncer l'avenue de Jésus? C'est un intercesseur. Hein. Les anges, ce sont des intercesseurs entre Dieu et les créatures dans le christianisme. Eh bien, dans le banquet, il y a aussi un intercesseur, il s'appelle Eros. Dans le banquet, Eros est un démon. Il y a toutes sortes de démons, dit Diotima. C'est-à-dire d'êtres qui sont entre les mortels et les immortels. Il y a les mortels, nous, il y a les immortels, et entre les deux, il y a les démons. Il y a aussi, on le verra, on l'avait déjà vu l'an passé, des hérons. C'est-à-dire des mortels exceptionnels. Et puis, les démons, les anges, etc., les âmes, ça peut tomber. Ça peut tomber. En voilà un qui tombe. Comment s'appelle-t-il celui-là? Pardon? Non, c'est pas Icar. C'est Lucifer. Lucifer représenté par Gustave Doré. C'est l'ange déchu. C'est l'antéchrist. Car finalement, le diable est un ange qui est tombé. C'est très important de savoir ça. Le diable vient des cieux. Il est tombé. Si, mais pourquoi Stigler nous enquiquine avec tout ça? Eh bien parce que dans Phèdre, le mythe de la mêlée va vous raconter pour la première fois dans l'histoire de l'Occident la chute de l'âme. Alors vous allez me dire, pas pour la première fois, parce que la pomme, on a croqué dans la pomme, etc. Mais c'était pas une chute de l'âme, c'était la libido sciendi, c'est-à-dire Ève qui voulait connaître, mordre dans l'arbre de la connaissance, enfin dans la pomme de l'arbre de la connaissance. Et c'est une chute, en effet. Mais la chute au sens où le christianisme va la développer, en opposant le mortel et l'immortel, d'ailleurs, l'âme et le corps, parce que finalement c'est le christianisme qui va concrétiser cette opposition de l'âme et du corps, comme religion généralisée, eh bien, sa conception, elle se fait là, dans le texte de Platon, dans Phèdre. Car dans Phèdre, ce qu'on va voir, c'est que cette âme ailée, qui est une espèce de poisson volant qui vit dans l'air, qui est devenu un oiseau, cette âme ailée qui vit éternellement dans cette espèce d'éther, eh bien, à un moment donné, elle tombe dans un corps. Elle est condamnée à une déchéance, à une chute, comme Lucifer. Et du coup, elle tombe dans le diable, dans le diabolique. Quel rapport entre le diable, qui est un concept tardif du christianisme, très tardif. Les chrétiens primitifs ne nous parlaient pas de diable. Quel rapport entre le diable et Platon? Quel rapport? Et en particulier, quel rapport avec la République? Eh bien, tous les rapports. Diable, ça vient d'un mot grec qui est diabolon, qui vient d'un verbe diabolein, qui veut dire atomisation, séparation, explosion. Et au diabolon s'oppose le symbolon. Le symbolon, qui est un autre verbe, veut dire rassembler, ramener, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez-moi rassembler les moutons que vous êtes, je suis votre berger, etc. C'est ce que Michel Foucault appellera la société pastorale. Laissez-moi vous ramener au bercail. Ça, c'est l'enjeu de la République. Dans la République, Platon va dire, il y a un principe diabolique. Et il faut lutter contre ce principe diabolique pour le soumettre à un principe symbolique.
ou pour le dire autrement, il y a des tentations diachroniques, c'est-à-dire des poètes, par exemple, des artistes qui veulent inventer des choses tout le temps qui perturbent la société, et il faut les virer de la cité et dire non, à partir de maintenant, seuls les philosophes sont autorisés à faire des tentations pour faire adhérer le troupeau aux représentations que le philosophe a décidé de considérer qu'elles sont bonnes pour la cité. Eh bien ça, oui, c'est le programme de Platon, c'est au livre 3 de la République, il dit qu'il faut sortir les musiciens, les poètes, les peintres, etc., il faut tous les expulser de la cité, ou les envoyer en Sibérie, et c'est ce qui s'est passé sous Staline, hein. Je vous le dis très précisément, c'est vraiment ce qui s'est passé sous Staline, et il faut, mais c'est aussi ce qui s'est passé sous Hitler, et il faut faire régner la synchronie absolue, c'est-à-dire tout contrôler, empêcher les perturbations, les trublions de venir, en quelque sorte, corrompre l'âme des citoyens, les âmes des citoyens. C'est ça le sujet de la République. Alors, la semaine dernière, nous avions entrevu quelques aspects caractéristiques de cette pensée platonicienne dans la République, notamment la théorie des idées que j'ai rappelé tout à l'heure, et comme tout à l'heure, j'ai rappelé également Heidegger soutenant que c'était un revirement. Et j'avais essayé de vous montrer la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, que Platon fait dire à Socrate exactement le contraire de ce qu'il disait auparavant. Vous vous souvenez, j'en ai fait une liste. J'aurais pu d'ailleurs faire une liste beaucoup plus longue, mais là où, Platon, où Socrate disait « il n'y a que du non-savoir », Platon dit « il y a du savoir ». Là où il dit « on ne peut pas enseigner la vertu », Socrate, Platon dit « on peut enseigner la vertu », c'est-à-dire le programme de la République, ça s'accède à la République, etc., etc. J'avais fait une liste de 6 ou 7 points fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si véritablement Platon fait dire à Socrate exactement le contraire de ce que Socrate disait auparavant dans les dialogues de Platon lui-même, ça veut dire que Platon fait de Socrate une sorte de marionnette, à qui il fait dire tout ce qu'il veut en la ventriloquant. Vous connaissez Oscar, la marionnette? Avec ce ventriloque, il est très connu chez les enfants de la télé comme moi. On le voyait souvent à la télé, quand j'étais petit. Platon se sert de la figure de Socrate et de l'autorité de cette figure, qui est la figure d'un sacrifié. Socrate s'est sacrifié pour la vérité. Il a bu la ciguë. Il s'en sert pour répandre ses propres idées au nom de Socrate. Mais ce ne peut plus être les idées de Socrate, puisque ce ne sont pas les mêmes que celles que Socrate disait au début de l'heure de Platon. Alors, qu'est-ce qui arrive à Platon, là? Il s'agit peut-être, à travers ce Pinocchio philosophique que serait Socrate, que serait devenu Socrate dans la République, notamment, d'une marionnette qui s'anime toute seule. C'est l'histoire de Pinocchio, d'ailleurs, d'une certaine manière. Hein. Et qui, cette marionnette, s'animant toute seule, se met à posséder Platon. Je veux faire crédit à Platon du fait qu'il croit absolument à ce qu'il fait. Et qu'il n'a absolument pas du tout le sentiment d'être duplice, par exemple, ou de rentrer en contradiction avec lui-même. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte. On pourrait imaginer que Platon est tombé amoureux de sa marionnette, comme Pygmalion, qu'on voit ici embrasser Galatée, la statue qu'il a sculptée. Je veux dire par là que Platon est un écrivain, c'est-à-dire un artiste. Et que peut-être, comme tout écrivain, il doit croire à ce qu'il écrit, qui est évidemment une fiction. Même si cette fiction est plus ou moins proche de la réalité qui l'inspire, à savoir la vie exemplaire de Socrate. Il doit croire à ce qu'il écrit et qui est une fiction, plus ou moins proche de la réalité, et cependant que ce qu'il écrit, et qui se présente comme une narration, parfois s'impose à lui pendant qu'il l'écrit, bien plus que lui-même ne décide de ce qu'il doit écrire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'un artiste, quand il travaille, et un écrivain, c'est un artiste, il lui arrive ce qu'arrive à Picasso. C'est-à-dire qu'il se produit des choses sur la toile qu'il n'avait pas du tout l'intention de produire, mais c'est la toile qui commande le peintre. C'est pas le peintre qui commande la toile. Quand le peintre veut commander la toile, ça donne du cacaboudin. Hein? Ça ne donne rien d'intéressant. C'est ce que Michel-Ange raconte à un moment donné sur l'accident. Et c'est toujours en tirant parti des accidents, des contraintes, des,
ce dont, par exemple, Gérald, ici présent, aime beaucoup, je crois, notre ami, comment s'appelle-t-il, la vie mode d'emploi, Derek, qui en a fait toute une pratique, hein, de l'accident. On ne travaille que sous la contrainte accidentelle, et cette contrainte accidentelle, c'est l'œuvre, quand elle se produit, qui la produit, en fait, cette contrainte. Ça, c'est un extrait d'un film magnifique, vous connaissez certainement, qui s'appelle Le Mystère Picasso, de Clouzot, où Clouzot a filmé Picasso en train de peindre. Toujours quand une œuvre fait œuvre, il y a un moment où l'œuvre retourne la situation et où c'est elle qui commande au peintre et non plus le peintre qui commande à l'œuvre. À ce moment-là, l'artiste suit les prescriptions de son œuvre. Autrement dit, un artiste, un écrivain, un philosophe aussi, même un scientifique, ne réalise jamais une idée préconçue. Ce n'est pas une idée qu'il avait dans la tête au départ qu'il réalise, c'est le travail qu'il produit qui lui fait, qui fait surgir une idée dont lui devient finalement l'interprète. Nous verrons que Platon condamne précisément les artistes et leurs œuvres poétiques en raison de ce pouvoir que les simulacres ont de leurrer leur public. Platon dira dans le livre 3 de la République, c'est très dangereux la peinture, très dangereux la poésie, parce que ça peut vraiment faire illusion, c'est-à-dire qu'on peut vraiment y croire. Mais il ne se rend pas compte que c'est ce qui lui arrive. Parce que le premier public d'une œuvre, c'est l'artiste lui-même. Picasso regarde son œuvre, et il répond à son œuvre. Et à un moment donné, l'œuvre, comme dit Maurice Blanchot, l'expulse. À un moment donné, l'œuvre dit à l'artiste, à l'auteur, « Tire-toi, tu vas faire une bêtise si tu continues à réagir. » L'œuvre, là, Blanchot, il utilise exactement ce verbe, l'a expulsé. Comme on dirait presque un bébé a été expulsé par sa mère. Platon condamne les artistes, les œuvres poétiques, etc. Et nous verrons bientôt dans le fait que Platon condamne les livres en général. Il condamne les livres en leur reprochant de faire en quelque sorte que leurs lecteurs se font du cinéma. Il dit quand quelqu'un lit un livre, eh bien le livre s'empare de son âme et en quelque sorte pénètre son âme et il se met à se faire du cinéma. C'est-à-dire qu'il se représente des choses que le livre en fait lui impose. Il laisse entrer en lui des idées qui ne sont pas les siennes et qui sont des simulacres de pensée, des simulacres d'idées. Tout comme la peinture simule la vie. Il dit l'écriture, Phèdre, c'est comme la peinture. Ça, c'est ce qu'il dit dans Phèdre, qui est un dialogue quasi contemporain de la République. Mais moi, je soutiens que c'est ce qui lui arrive à lui avec son propre livre, La République. Il pose que les lecteurs d'un livre, par l'intermédiaire de l'écran que constitue l'écrit, si je puis dire, projette par l'intermédiaire de cet écran des leurs suscités par l'auteur du livre. En disant cela, remarquez bien que Platon, vous vous souvenez qu'il y a deux semaines, je vous ai passé un extrait de Fahrenheit 451, et vous vous souvenez que dans ce film, qui est extrait d'un livre, qui est une transposition d'un livre, on voit un film, on voit comment l'image animée, le cinéma, la télévision, etc., détruisent la culture du livre. Et on voit comment, en quelque sorte, Truffaut en appelle avec le cinéma à protéger le livre contre le cinéma, ou contre l'image animée. Eh bien, si on lit cela, cet extrait de Phèdre, on voit que Platon, en quelque sorte, bien avant, dit par avance, mais ça sert à rien ce que vous dites, le livre, le cinéma, c'est la même chose. De toute façon, ça ne produit que des leurres. C'est du pareil au même, on dirait aujourd'hui. Ah, c'est tout à fait fascinant quand on y pense. S'il est vrai que par ailleurs, et on peut ne pas être d'accord avec moi, mais si on est d'accord avec moi, on est d'accord pour dire que Platon est le manipulateur de la marionnette de Socrate, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est une marionnette, c'est devenu une marionnette Socrate dans la République. Il est en même temps lui-même fasciné par cette marionnette, comme Wilhelm Meister de Goethe est fasciné par les marionnettes, et qu'il fait un théâtre qui s'appelle La République, dans lequel il dénonce la façon dont le théâtre des marionnettes peut tromper les lecteurs. C'est incroyable quand on y pense. C'est une mise en abyme inouïe. Absolument génialissime.
mais en même temps totalement ridicule et dangereuse. Parce que c'est magnifique, mais il ne s'en rend pas compte. Et donc, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il se met à délirer gravement et de manière très paranoïaque, parce que La République, c'est un livre très paranoïaque. C'est un livre du pouvoir que le philosophe veut prendre sur la cité en croyant qu'il peut lui écrire des livres en échappant à tout ce qu'il dénonce dans les livres. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Il dit « j'écris un livre, La République, contre les livres », c'est-à-dire que moi, quand j'écris un livre, je ne subis pas ce que je dis que font les livres sur ceux qui les lisent. C'est quand même incroyable. Les livres, ce sont des cavernes mentales pour Platon. Hein. Ce sont des cavernes, tout comme la caverne de la République. Hein. Bon, la caverne de la République, la voilà. Ça ressemble beaucoup à une scène de cinéma, hein, vous voyez. Là, il y a le projecteur. Enfin, là, il n'y a pas le projecteur. Il y a l'ampoule qui est dans le projecteur. Là, il y a le film qui passe, c'est les puppets, les marionnettes. Hein. Et là, il y a les ombres sur l'écran, c'est le film. Je vous avais dit l'autre fois, voilà la situation au XXe siècle, ça donne ça. Et puis, un peu plus tard, ça donne ça. Ça, c'est un extrait de Fahrenheit 451 qui a été fait par un artiste qui a reconstitué avec des pixels. On ne peut pas l'extraire à l'image. C'est interdit, donc il l'a reconstitué, je ne sais pas très bien comment. On a aussi représenté cette scène comme ça. Ce que je vous dis, moi, c'est que c'est aussi une caverne que le lecteur installerait dans sa tête en lisant l'allégorie de la caverne de Platon. Et que Platon lui-même, en se lisant lui-même, installe cette caverne mentale de sa propre tête, où il est à la fois le manipulateur et le manipulé. Je viens de dire qu'il est paranoïaque, mais il est aussi un peu schizoïde. C'est-à-dire qu'il est un peu clivé, on dira plutôt, hein, dans le langage de Jacques Lacan. Il est coupé en deux. Vous verrez bientôt, pas aujourd'hui, que cette question du clivage de l'âme est très importante. Un élément fondamental de Phèdre, dans l'allégorie de l'âme ailée, c'est que Platon va poser que l'âme est coupée en deux. Ou plutôt, elle est constituée de trois parties. Un cocher et deux chevaux. Il y a un cheval qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. Et le cocher est celui qui doit mater ses deux chevaux. Les deux chevaux, eh bien, ils ressemblent furieusement à la pulsion de vie, à la pulsion de mort qu'on trouve dans les essais de Freud en 1920, au-delà du principe du plaisir, puis en 1923, dans Le Moi et le Ça. C'est absolument incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Freud ne dit pas un mot du Phèdre dans ses analyses. Tout à fait étonnant, comme s'il ne l'avait pas lu. Ce que je vais vous dire, c'est compliqué. Hein. Je suis en train de critiquer Platon, mais je vous ai dit critiquer, c'est discerner, c'est pas condamner. Platon, à travers cette évolution que je considère calamiteuse, ce que j'appelle le revirement qui se fait dans la République et dans Phèdre, où il va faire de l'âme une chute, etc., de la vérité une vérité absolue, qui prépare quelque chose, à mon avis, qui est totalitaire dans son essence. Eh bien, Platon, en même temps, il avance. Il découvre le caractère clivé de la psyché, au sens où la psychanalyse l'a établi médicalement, cliniquement, au XXe siècle. Donc ces textes que l'on peut et que l'on doit critiquer, au sens où on doit en analyser les limites, il faut, quand on analyse leurs limites, être capable aussi de voir les limites qu'elles nous font franchir, qui sont inouïes. Hein. Quoi qu'il en soit, revenons à Pygmalion, je pense que Platon est dans la situation de Pygmalion par rapport à la marionnette de Socrate. Je l'avais déjà dit l'an passé. Qui est Platon? C'est un élève de Socrate. Pas simplement de Socrate, il a été élève de plusieurs philosophes, ou proto-philosophes, également sophistes. Mais évidemment, Socrate était le plus grand, le plus impressionnant, le plus fascinant, surtout à partir du moment où il est mort. Et Platon a commencé à écrire dans le deuil de Socrate, qu'il aimait profondément, comme tous ceux qui connaissaient Socrate. Et dans le deuil de Socrate, il a cultivé un délire amoureux, je crois, moi. Une mélancolie au sens où, dans un texte qui s'appelle « Deuil et mélancolie », Freud parle du délire amoureux, du mélancolique. Où il a totalement idéalisé son objet d'amour,
qui est Socrate, et où il a, par ailleurs, dû défendre l'héritage de Socrate dans l'histoire de la cité. Et à mesure qu'il essayait de le défendre, parce qu'il y a des limites à ce que dit Socrate, il y a des contradictions dans ce que dit Socrate, Socrate n'est pas un dieu, ça n'est qu'un mortel comme vous et moi, un très grand mortel, un héros, mais un mortel quand même. Par exemple, lorsque Socrate parle de Perséphone, qu'il se réfère à la mythologie, alors que par ailleurs il condamne toutes ses croyances, enfin, il les condamne, c'est plus compliqué que ça, mais il dit on ne peut pas, il faut séparer la croyance et le savoir, on ne peut pas confondre la vérité géométrique avec les croyances mythologiques. Bon. Et bien quand il s'appuie sur la croyance mythologique de Perséphone pour fonder sa réponse sur la vérité et en s'appuyant en même temps sur la géométrie, il est dans des contradictions. Et donc Platon cherche à les résoudre, ces contradictions. Et à mesure qu'il cherche à les résoudre, il se fascine pour ces tentatives de résolution qu'il développe. Et il finit, en quelque sorte, par être pris, par oublier que c'est une marionnette qu'il est en train de produire. Il est absorbé, happé par son objet de fiction. Cela étant, dans la République, il y a donc un seuil qui est franchi, un renversement qui s'opère, ce que j'appelle depuis maintenant le début de ce cours un revirement, et je pense que ce revirement a une cause biographique et pas simplement intellectuelle. Cette cause biographique, elle est exposée dans cette lettre qu'on appelle la lettre 7, où Platon raconte une partie de sa vie et en particulier de ses mésaventures politiques, et en particulier de son voyage à Syracuse. Platon a vécu, donc en 387, il a décidé de partir en Sicile à l'invitation de Denis, le tyran de Syracuse, qui l'a fait venir. Il avait entendu parler de lui, Denis, et on disait en Sicile, la Sicile c'était la Grèce à l'époque, ça faisait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire c'était une colonie de la Grèce, pas tout près d'Athènes bien entendu, mais néanmoins, ça faisait partie des territoires grecs. Et Denis de Syracuse avait entendu parler de ce philosophe brillantissime qui était l'élève de Platon, de Socrate. Et il lui avait dit, ben, viens chez moi. Et il était venu. Il était venu et ça s'était très mal passé. Vous trouverez dans la notice Wikipédia cette explication qui montre que Platon, finalement, a éduqué Dion, qui était le beau-frère de Denis, que ça a mal tourné, que Denis s'en est fâché, et que, à la fin, comme je vous le disais tout à l'heure, il a vendu Platon au marché aux esclaves, sur une île qui est l'île d'Égine. Et que Platon en a été sauvé par un philosophe, Anicéris de Cyrène, qui l'aurait racheté pour 20 mines d'argent. Il faut savoir que malgré cela, malgré cette terrible mésaventure, 20 ans plus tard, Platon a repiqué au truc. Bizarre ça. C'est étrange. En 367 avant Jésus-Christ, il est reparti en Sicile et ça s'est encore très très mal passé puisqu'il a fini en cabane cette fois-ci. Il a été emprisonné. Alors, si nous voulons comprendre ce qui s'est passé dans la République, il faut intégrer ces éléments biographiques. Et ça, je ne les intégrerai pas parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste et je pense que ce sont des éléments accessoires et annexes. Mais il faut surtout intégrer, évidemment, des éléments théoriques pour comprendre à la fois l'origine et la direction du revirement de la République. Eh bien, il faut lire Phèdre. Voilà ce que je soutiens. Le dialogue qu'il faut lire, qui est, à mon avis, d'ailleurs beaucoup plus beau que la République, même si dans la République, il y a des passages hallucinants. L'allégorie de la caverne, c'est absolument hallucinant. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que c'est merveilleux, littéralement merveilleux, d'intelligence, de puissance de conviction. La marionnette est d'une incroyable efficacité. Vous avez bien compris pourquoi je parle de marionnette, hein. C'est parce que la marionnette, c'est un pharmacone. Et c'est pas n'importe quel pharmacone. C'est celui dont sont amoureux Bergman, Ingmar Bergman, Goethe, et finalement tous les grands artistes. Hein, tous les grands artistes sont amoureux des marionnettes. Une œuvre d'art, c'est une marionnette, fondamentalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inerte, d'artificiel, qui peut devenir plus vivant que le vivant. C'est quelque chose d'inouï, les marionnettes. Et ce sont des pharmacas, des leurres, des simulacres.
Donc, qu'est-ce qui fait que la marionnette qui est animée dans la République, la marionnette de Socrate, peut être magnifique par moment dans la République? Eh bien, c'est en fait ce qui se joue dans Phèdre. Phèdre, dont voici là, le livre. Ce dialogue, on nous dit que dans les études hellénistiques, les études des hellénistes, plus exactement, on nous dit qu'il vient après la République dans la chronologie. C'est ce que dit Léon Robin, c'est ce que dit Luc Brisson. En même temps, Léon Robin dit, c'est pas absolument sûr, et il y a un certain nombre de grandes autorités qui le contestent, et qui disent non, Phèdre vient avant la République. Je dois vous dire que moi j'hésite, j'ai toujours hésité entre les deux positions, et puis en préparant ce cours, là, j'ai tranché. Je pense vraiment que Phèdre vient avant la République. Je me trompe peut-être, hein. Je dirais que c'est peut-être pas très important, au fond. Mais en tout cas, logiquement, je pense que Phèdre met en place les idées de la République beaucoup plus que l'inverse. Dans Phèdre est racontée une allégorie, vous disais tout à l'heure, l'allégorie de l'âme ailée. Alors, il y a l'allégorie de la caverne, ça c'est la République, et il y a l'allégorie de l'âme ailée, ça c'est Phèdre. Alors, l'âme ailée, ce n'est pas une invention pure de Platon, hein. D'ailleurs, si on la trouve sur ce vase, c'est parce qu'elle représente quelque chose qui n'est pas de Platon. C'est quelque chose, l'âme ailée, que l'on trouve déjà dans la mythologie. Mais ce qui est une allégorie, qui n'est pas dans la mythologie, c'est l'idée que l'âme soit un char ailé. En fait, le char ailé, eh bien, on en trouve des références dans Homère. Et d'une façon générale, les dieux chez Homère sont toujours représentés comme dirigeants des chars. Voilà. Dans l'allégorie de l'âme ailée, l'âme est un char qui, comme les dieux, vit dans les terres, c'est-à-dire dans les cieux, ce qu'on appellerait les cieux, et qui est constitué par un cocher et deux chevaux. Là, il y en a quatre, mais dans le Phèdre, il n'y a que deux chevaux. Les ailes de ces chevaux, nous allons le voir la semaine prochaine, enfin dans le cours prochain, nous lirons vraiment le texte. Ces ailes, ce sont les ailes du désir, un petit peu comme dans ce film de Wim Wenders, qui s'appelle d'ailleurs « Les ailes du désir ». Voici une scène de ce film, magnifique, une scène de spectacle. On va beaucoup parler de spectacle dans ce cours, parce que c'est le spectacle qui est un peu en jeu derrière tout ce que nous disons. Ça, c'est une scène de cirque, où on voit une espèce d'ange dont les jambes se sont transformées en ailes, enfin, un être dont les jambes sont devenues des espèces d'ailes. Mais on va parler de spectacles de toutes sortes, de télévision, on l'a déjà fait, de cinéma, de marionnettes. On va parler de la société du spectacle, d'une certaine manière. C'est ce dont parle aussi la République. Nous sommes, nous, dans la société du spectacle. Phèdre, avec l'allégorie de l'âme ailée, reprend un thème qui est apparu dans Ménon. À savoir, vous en souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours de l'année dernière, que l'âme, c'est tout ce qui est vrai, dit Socrate dans Ménon. Mais, elle l'a oublié. Si elle peut connaître quelque chose, si elle peut connaître au sens où elle peut apprendre quelque chose, c'est simplement parce qu'elle le connaissait déjà et qu'elle avait oublié qu'elle le connaissait. Donc apprendre, c'est se ressouvenir. C'est ce que dit Platon et c'est ce qu'il appelle l'anamnésis, la réminiscence, la reconnaissance. Littéralement parlant, on peut traduire par reconnaissance. Donc dans Ménon, qui est un texte de 388, hein, dans Ménon, même avant, non c'est avant, dans Ménon, Platon fait dire à Socrate que l'âme peut connaître parce qu'elle elle a oublié ce qu'elle connaissait qu'elle le redécouvre, donc elle l'a déjà vu, en fait, il y a un déjà vu. Dans Phèdre, Platon reprend cette problématique, mais il va la développer beaucoup plus. Il va essayer surtout d'expliquer, c'est ça qui est très important, pourquoi elle a oublié. Non, mais non, il ne disait pas du tout pourquoi elle a oublié. Dans Phèdre, il va dire pourquoi elle a oublié.
il va lier ça aux chevaux. Aux chevaux, d'une part, au corps, d'autre part. L'âme, dit-il, est constituée par deux chevaux qui sont tiraillés par des tendances opposées. Et ces chevaux qui sont tiraillés par des tendances opposées, à un moment donné, ils font chuter le char, ils renversent le char. Et le char tombe, et tombe dans un corps. Un corps qui va faire que l'âme, qui était dans l'éther et qui savait tout, parce que dans l'éther, elle voyait toutes les vérités, en direct, comme dans la République, lorsque le prisonnier sort de la caverne et va au soleil et voit tout sous la lumière crue du soleil. Elle voyait tout de manière absolument parfaite. Et elle tombe et elle oublie tout ce qu'elle a su. Elle ne voit plus rien et elle oublie tout ce qu'elle a lu. Nous allons lire Phèdre avant de venir à la République parce que c'est à partir de Phèdre, à mon avis, que l'on peut comprendre ce qui va se jouer dans la République à travers la théorie des idées. À savoir que dans la théorie des idées, Platon va opposer deux mondes. Je vous l'avais déjà dit il y a deux semaines. D'une part, le monde sensible dans lequel nous vivons, qui est un monde qui n'arrête pas de changer, qui est corruptible, dira Aristote, c'est-à-dire qui est pris dans le devenir, qui se dégrade en permanence, qui est aussi trompeur, illusoire, dans la mesure où s'il n'arrête pas de se dégrader, dans la mesure où la vérité est absolument toujours identique à elle-même, eh bien, il ne peut pas être vrai, parce que sinon il ne se dégraderait pas. Donc c'est forcément un monde illusoire. Ce monde sensible, Phèdre nous prépare à comprendre que c'est le monde du corps, et que ce qui nous trompe, c'est notre corps, c'est le corps mortel. C'est le corps en tant qu'il est mortel, c'est la mort qui nous trompe. La peur de la mort, le désir de lutter contre la mort, etc. Et puis d'un autre côté, il y a un autre monde. Le monde sensible, c'est le monde de la caverne, en fait, hein, c'est celui qui est sous terre. Il y a un monde intelligible, c'est le monde de la vérité pure, c'est le monde de l'être, c'est le monde de ce qui ne devient pas, tout comme par exemple la vérité géométrique, qui est l'idéal de la vérité, c'est le monde de l'âme immortelle, c'est-à-dire de l'âme en tant qu'elle ne dépend pas du corps, en tant qu'elle n'est pas emprisonnée dans un corps. C'est extrêmement important de bien comprendre cela, parce que ça, c'est la base de la philosophie à partir de Platon. Cette opposition entre sensible et intelligible qui va se traduire par une opposition par exemple entre les sens d'un côté et l'intellect de l'autre. Et on va dire les sens c'est empirique, ça ne comprend rien, c'est l'intellect c'est ce qui est capable d'accéder à la vérité logique, etc. Alors, aujourd'hui on n'ira pas le faire, mais avant d'arrêter, je voudrais vous dire encore quelques mots si vous avez encore un peu de patience pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Je voudrais particulièrement insister auprès de vous sur ce qui distingue une allégorie d'un mythe. Je suis en train de vous dire, dans la caverne, dans la République, Platon raconte une allégorie de la caverne. Je vous dis également, dans Phèdre, Platon raconte une allégorie de l'âme ailée. Pourquoi ne pas appeler ça des mythes ? On pourrait d'autant plus que, par exemple, Heidegger parle du mythe de la caverne. Et d'autres, les auteurs plus contemporains, parlent également, par exemple, Jean-François Mattei, qui est un prof de philo de Nice, l'Université de Nice, Laurent Chevalier, un des arts qui vient de faire une thèse là-dessus, disent le mythe de la caverne. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un mythe. Et c'est très, très important. Donc, mais non, Socrate se réfère à un mythe. C'est un mythe que raconte Socrate dans Ménon. Le mythe de Perséphone, c'est un mythe. C'est pas du tout une invention de Platon. Le mythe de Perséphone, c'est ce que tous les Grecs pieux pratiquaient tous les ans au moment des mystères d'Éleusis. Quand je dis tous les Grecs pieux, ça veut dire tous les Grecs. Il n'y avait pas de Grecs qui ne fût pas pieux. C'était inconcevable chez un Grec de ne pas croire à ce que racontait la mythologie. Croire ou l'en dire à l'époque, sacrifier, sanctifier, ritualiser, participer aux grandes processions, etc., pour se souvenir que nous ne sommes pas des dieux. C'est ça que vous voulez dire, croire, essentiellement. Un mythe, d'une façon générale, c'est une production collective qui n'a pas d'auteur, dont l'origine est absolument inconnue et dont le fonctionnement est profondément inconscient. Pour ceux qui s'y réfèrent,
et dont ils n'ont évidemment pas conscience du caractère proprement mythologique. Car pour pouvoir avoir conscience du caractère mythologique d'un mythe, il faut être capable de sortir de la société du mythe. Il faut être capable de passer du mythos au logos, précisément. Le mythe se donne au myste, c'est-à-dire à celui qui croit au mystère du mythe, comme une sorte d'évidence qui ne se discute pas. Voilà. Une chose qui ne se discute pas. Ça ressemble beaucoup à la révélation. Ça n'est pas exactement une révélation. La révélation, c'est le caractère de la religion monothéiste. La révélation a un auteur. Dans le judaïsme, cet auteur s'appelle Moïse. Et Moïse, ça n'est pas du tout l'auteur d'un mythe. C'est l'auteur d'une révélation, précisément. D'une croyance religieuse. Par un prophète. La révélation est prophétisée par un auteur, qui est connu et qui est en plus le chef du peuple juif. Donc, le mythe, c'est pas ça. Mais ça a un caractère quand même proche de cela, parce que c'est une croyance indiscutable, comme une révélation. Dans Ménon, ce dont parle Socrate, c'est bien d'un mythe, le mythe de Perséphone. Dans Ménon, dont je vous redis que voilà, c'est à cette époque-là, hein, que ça se produit, dans Ménon, on se réfère à un mythe. Le mythe de Perséphone, dont voici une représentation du 19e siècle. Et dans Phèdre, il ne s'agit plus du tout d'un mythe, mais d'une allégorie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'auteur de cette allégorie, c'est Platon. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vient de la tradition. C'est Platon qui a inventé, alors certes en s'appuyant sur la tradition mythologique, ça c'est une représentation du char de Zeus dans Homère. Donc Platon reprend des éléments de la mythologie et il s'en sert pour fabriquer une histoire qui est la sienne. Mais ce n'est pas du tout un mythe, c'est une allégorie. Alors qu'est-ce que ça veut dire une allégorie? C'est une représentation imagée pour faire comprendre des concepts. En fait. Certes, Platon veut faire passer cette allégorie pour un mythe. Il veut jouer sur le registre mythique, et pour de mauvaises raisons. Pourquoi? Le mythe, ça constitue une autorité traditionnelle. Un mythe dans la société grecque a une valeur qui lui est conférée par la tradition. C'est une autorité. Or, Platon raconte ses allégories pour s'émanciper de la tradition grecque, pour sortir de cette tradition. Parce que Platon, qu'est-ce qu'il fait avec le mythe de l'âme ailée? Il est en train de poser que l'âme est immortelle. Et ça, ce n'est pas du tout grec. Jamais les Grecs n'ont dit que l'âme était immortelle. Les Grecs ont dit que l'âme pouvait, à certains égards, revenir. Et Platon, Socrate dit dans le Ménon, les poètes, les prêtresses, etc., disent parfois que l'âme est immortelle. Mais l'année dernière, j'avais insisté pour montrer qu'en fait, elle n'est pas immortelle. Elle est entre les mortels et les immortels, capable de vivre parmi les immortels, comme les héros, parce qu'on ne l'oublie pas. C'est l'âme du héros. Dans l'allégorie de l'âme ailée, que Platon décrit donc comme un attelage, et qui est une référence à Homère, Socrate reprend la thématique de Ménon, disais-je. Mais il reprend aussi la thématique du banquet. Dans Ménon, il avait introduit le thème de l'anamnèse, et dans le banquet, il a introduit celui d'Eros. Vous vous souvenez, dans le passé, on a vu que Platon dit « pour connaître, il faut être amoureux ». Il suffit. Et pour se ressouvenir, rien mieux que l'amour vous aide à vous ressouvenir de ce que vous avez oublié. Et vous le savez bien que Eros, je vous l'ai montré l'autre fois, est représenté avec des ailes. Donc si l'âme est ailée, c'est parce qu'elle est amoureuse. Elle a quelque chose à voir avec l'amour, fondamentalement. Donc, dans cette représentation du Phèdre, de l'allégorie de l'âme ailée, vous avez en fait la combinaison de traits qui viennent de Ménon et du banquet, plus d'éléments qui viennent de la tradition grecque, et Platon va se servir de tout ça pour se séparer de cette tradition grecque. Vous voyez, c'est très embrouillé, très compliqué, mais en même temps, c'est très clair. C'est très embrouillé, très compliqué, mais quand on regarde de près, c'est aussi clair que une enquête de Sherlock Holmes.
mon cher Watson. Si on regarde bien, on lit les textes patiemment, on ne se précipite pas, ben c'est très clair. On retrouve les ailes de l'amour, les ailes du désir, du banquet, avec le rapport à l'immortalité de l'âme, du Ménon. Et ça donne Phèdre, dont on va bientôt voir pourquoi c'est à l'origine de cette nouvelle conception de l'idée qui va être si importante et qui va jusqu'à nous continuer à s'imposer comme ce que nous utilisons tous les jours lorsque nous disons, comme le président de la République, j'ai une idée. Tous les jours, j'ai une nouvelle idée. Je vous disais, il faut remonter à la source de la République. Et pour lire la République, il faut lire Phèdre. Oui, mais je suis désolé, mais pour lire Phèdre, il faut lire le Ménon et le Banquet. Donc on va revenir au Ménon et au Banquet. Et on va faire comme des saumons. Le saumon, c'est un poisson anadrome. Anadrome. Il naît en eau douce, il va revivre en eau salée, puis revient se reproduire en eau douce. C'est un poisson migrateur. Quand Platon dit qu'il faut pratiquer l'anamnésis, il dit qu'il faut remonter à la source. L'anamnésis, c'est se comporter comme un saumon, c'est remonter, c'est se ressouvenir de ce qu'est le point de départ, le point d'origine. Remonter à la source, eh bien c'est souvent dans des circonstances catastrophiques qu'on le fait. Je veux dire par là, c'est souvent quand on est dans une situation très grave, que d'un seul coup on se dit « Non, il faut que j'arrête, il faut que je repense complètement ma vie. » Il faut que je revienne à la source. Non. Nous sommes en ce moment confrontés à une telle catastrophe. En voilà une autre, c'est une inondation au Canada. Et vous voyez que les saumons profitent de ces inondations pour remonter aux sources. C'est incroyable, hein? Regardez ça. En fait, c'est un film dont j'ai extrait des images. Mais il faut regarder ce film, il est sur Internet. Absolument incroyable. Les saumons sortent du lit des rivières et s'emparent des inondations pour prendre des raccourcis, pour aller remonter à la source, de là où ils viennent. Quelque chose d'inouï. La source, c'est le mutos. C'est le mutos de Perséphone. Et nous, nous vivons dans le logos. Le logos, c'est la mer salée dans laquelle nous sommes. Le mutos, c'est l'eau douce, où est née notre histoire occidentale. Ce mutos, c'est celui du mythe de Perséphone, que nous reprendrons donc la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, nous recommencerons à lire Ménon. Pas seulement parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là l'an passé et qui donc ne savent pas ce que j'avais pu en dire, mais même si tous les gens qui sont là avaient été là l'an passé, nous serions revenus pour lire Ménon. Parce qu'il faut relire. Fondamentalement, lire, c'est relire. On ne lit jamais bien la première fois, surtout pas la philosophie. Et alors quand il s'agit de Platon, on comprend tout à coup finalement ce qui était en jeu dans le Ménon en lisant le Banquet. On dit, tiens, mais en fait, dans le Ménon, il s'acheminait par là. Mais il ne le savait pas lui-même encore. C'est la marionnette qui l'a conduit. Cette marionnette lui a dit, Pinocchio lui a dit, allez, viens, Geppetto, viens. Je vais t'emmener. Je vais te faire découvrir que c'est dans l'amour que je m'anime. Et puis dans le Banquet, on s'achemine vers Phèdre. On s'achemine vers la République, etc. Mais ça, pour s'en apercevoir, il faut faire comme le saumon. Il faut remonter après coup à la source. Donc il faut revenir sur ses pas, comme des revenants, comme des esprits, comme des démons. C'est comme ça que nous arriverons peut-être à lire un peu la République. On va s'arrêter 5 minutes. Merci beaucoup de votre patience. Et il nous restera 1 heure pour discuter.